Le Bas-Uélé est une province de la République démocratique du Congo, située au nord du pays sur la rivière Uélé. Sa superficie est de 148 331 km² et plus de 1 200 000 habitants. Elle est constituée de la ville de Bouta qui est son chef-lieu et des 6 territoires, Akéti, Ango, Bambesa, Bondo, Bouta et Poko. Étendue sur 18 198 km² et 344 278 habitants, le territoire de Bouta est constitué de 2 secteurs, des 4 chefferies et d'une commune rurale, tandis que la ville de Bouta comprend 4 communes. Le territoire de Bouta est accessible par la route nationale numéro 4, par la voie aérienne et par la voie ferrée. La population de ce territoire a comme activité principale l'agriculture qui est axée sur les cultures vivrières des maïs, manioc, riz, bananes, igname et arachides, les cultures pérennes des palmiers à huile, coton, EVA, café et cacao, les cultures maraîchères d'amarante, épinards, courges, piments, ciboules, poivrons et tomates, et les fruits, oranges, citrons ainsi que l'avocat. Le territoire de Bouta dispose d'un total de 3 654 hectares de plantations de palmiers à huile, de café et de cacao abandonnés. Les manques d'infrastructures agricoles de base, les vieillissements des personnels, les manques de personnels qualifiés, d'intrants agricoles et la rupture des primes des professionnels agricoles sont les difficultés recensées dans ces territoires. 25 471 km² comme superficie et 386 889 habitants, le territoire d'Akéti est composé administrativement de 4 secteurs, de 4 chefferies et d'une commune rurale. Il est accessible par la rivière Itimbiri, par la route nationale numéro 6, les connectant au territoire de Bouta et par 2 aérodromes. L'agriculture est considérée comme activité principale de la population. Elle est axée sur les cultures vivrières des manioc, maïs, riz, bananes, igname, arachides, les cultures pérennes des palmiers à huile, coton, EVA, cacao et café, les cultures maraîchères d'amarante, épinards, courges, piments, ciboules, poivrons et tomates, et les fruits, oranges, citrons et avocats. Étendue sur une superficie de 34 734 km², le territoire d'Ango est constitué de 4 chefferies et de 2 communes rurales. Il est accessible par les routes provinciales numéro 419, 416 et 418. L'agriculture et l'élevage sont considérés comme activité principale de la population. Comme dans les territoires précités, l'agriculture est axée sur différentes cultures vivrières, pérennes, maraîchères ainsi que fruitières. L'envahissement sporadique des populations sud-soudan et l'évacuation difficile des produits agricoles suite au délabrement de routes des dessertes agricoles constituent un frein au secteur agricole du territoire. Le territoire de Bambesa a une superficie de 9130 km². Il est constitué de 2 communes rurales et de 9 chefferies. La route nationale numéro 25 et un aérodrome à Dingila permettent d'accéder à ces territoires. L'agriculture est considérée comme activité principale de la population. Elle est axée sur les cultures vivrières d'arachides, manioc, maïs, niébé, haricots, riz et bananes, les cultures pérennes des palmiers à huile, coton, cacao qui est introduit récemment et le café, les cultures maraîchères des ciboules, aubergines, tomates, piments, choux de Chine, gombo, épinards, amarantes et les fruits, mandarines, avocats et safou. Avec une superficie de 38 075 km² et plus de 4 000 habitants, le territoire de Bondo est constitué de 10 chefferies et de 4 communes rurales. Il est accessible par la route nationale numéro 4
et la route Ndou-Monga. L'exploitation de l'or et l'agriculture sont considérées comme activités principales de la population. Les acteurs agricoles rencontrent une diversité de problèmes, entre autres l'abandon de l'agriculture par les jeunes au profit de l'exploitation diamantifère, l'invasion sporadique des forces négatives, l'insuffisance des semences de qualité, les manques d'encadrement des agriculteurs, des financements de la production vivrière et des crédits agricoles pour les paysans. 22 656 km² est la superficie du territoire des Poko. Il est constitué de deux secteurs, de 11 chefferies et de la commune rurale des Poko. On y accède par la route nationale numéro 25, les routes d'intérêt provincial qui sont impraticables et la voie aérienne. L'agriculture est considérée comme activité principale de la population. Notons qu'elle est axée sur les mêmes cultures que les autres territoires de la province du Bas-Ouélé. Le territoire des Poko possède plusieurs plantations de café abandonnées. Les menaces d'insectes ravageurs par manque d'intrants agricoles, le vieillissement du personnel et la non-motivation des agents de l'État constituent un frein au secteur agricole du territoire.